Salut tout le monde, c'est Number et on se retrouve pour l'épisode 5, il me semble, de Sleeping Dogs. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un nouveau menu en fait, parce que j'ai acheté donc, enfin j'avais acheté avec le jeu les DLC, mais le truc c'est que je les avais pas encore installés, et donc c'est chose faite. Donc je vais rester sur mon jeu de base bien entendu. Je vais reprendre ma partie, mais vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Donc je m'en doutais pas du tout en fait. Enfin, du coup, je suis monté de beaucoup de niveaux comme vous allez pouvoir le voir. Donc je vais peut-être pas tout vous laisser, mais je vous montrerai à peu près tout ce que je vais avoir. Parce que là, il me semble qu'il n'y a pas tout. Enfin, ça j'y ai déjà eu, mais il y avait des trucs en plus avant. Donc je peux pas appuyer sur espace en même temps. Donc récompense débloquée, blablabla. Vous allez voir, j'en ai vraiment beaucoup, je suis monté jusqu'au niveau 9 en fait, sans rien faire en fait, donc c'est un petit peu dommage je trouve, mais bon, je vais avoir plein de nouveaux véhicules également, ça c'est plutôt pas mal, et plein de nouveaux habits aussi, je les testerai peut-être plus tard, on verra. En tout cas j'ai bien envie de tester les nouvelles, ouais, les nouveaux véhicules. J'attends juste que ça se finisse, et puis voilà. Ça va prendre un petit peu de temps, vous voyez, je gagne aussi beaucoup d'argent, tout va bien. Il y a aussi pas mal de nouvelles missions qui vont pouvoir être débloquées. Donc là, il me semble que j'arrive pas très loin de la fin, hein. Allez. Et oui, c'était un petit peu chiant parce qu'en fait je comptais tourner et j'ai eu tous ces trucs. Tu sais que je suis devant toi donc t'es pas obligé de. Hein. Voilà, on va bientôt être à la fin là. Donc vous voyez, je gagne encore beaucoup de niveaux, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est fini. Donc du coup, je vous montre tout ça. Je vais regarder un petit peu tous les véhicules qu'il y a pour pas mettre trop longtemps et je vous retrouve juste après. Bon, au final, il se trouve que tous les véhicules sont vraiment stylés. Donc je vais vous montrer un petit peu tout, là ça a l'air d'être une valise. Hop, on gagne de l'argent, j'en ai 318 000, tout va bien. En plus j'en avais perdu l'autre jour en faillant quelques missions en vous attendant. Enfin c'était des petites missions genre je sais plus comment ça s'appelle déjà. Enfin trafic de drogue etc. Donc vous voyez, on a une jolie voiture de police. Plutôt vraiment pas mal on va dire. Je sais pas exactement quel modèle c'est, excusez-moi pour ma voix. Donc je sais pas quel modèle c'est. On a exactement la même. Ah mon dieu. En voiture banalisée, voilà, ça va mieux. On a également un petit fourgon avec un dragon dessus. C'est plutôt mignon. Là on a une jolie voiture, donc Tuono. Je sais pas si ça existe, j'y connais strictement rien en voiture. Là une jolie moto, franchement aussi, une moto de sport plutôt. Là une voiture de dragon, enfin justicier, triade, voilà tout ce qu'on veut. Ici un camion blindé, donc je sais pas si je m'en servir peut-être à un moment. Voiture de policier, police, police, police. Une autre jolie moto qui a l'air d'être un peu cheatée. Ok. Ah, économiste de carburant. Je sais pas si c'est, enfin je sais pas si c'est utile ou quoi. Tab pour le magasin Steam. Non. Ok. Non, apparemment on peut acheter des trucs. Donc j'ai l'impression qu'il y a les nouvelles options qui se sont affichées en bas. J'avais jamais remarqué, peut-être que c'est juste moi, mais. Donc on va prendre celle-ci, on va la tester. Wow. Oh, franchement c'est le pied cette voiture. Ah, elle se conduit très bien en fait, tellement bien que j'ai du mal à la conduire justement. Wow, wow, wow. Elle va trop vite en fait, elle va directement très très vite et c'est assez embêtant. Donc voyons voir ce qu'elle donne.
Donc vous voyez, mon score sans accident a augmenté depuis, je sais pas si vous aviez remarqué, genre de quelques centièmes. Wow. Énorme, franchement énorme. Elle va très très vite. Ça c'est fun. Bon allez. En fait, faut que je prévoie les virages beaucoup plus tôt. Donc, en tout cas... Oh, aïe aïe aïe, elle est défonce. Bon, c'est pas grave, en même temps, elle va te réparer quand on va... Oh. Bon, on va donc aller à notre mission. Ah, et la musique est stylée, franchement, c'est... Oh, fun. Bon, c'est parti. Bon, c'est pas grave si on défonce tout, au pire, vous avez l'habitude. Donc, on arrive à notre fameuse mission. Franchement, cette voiture, c'est le fun total. Et je trouve que la musique est... Enfin, toute l'ambiance du jeu est vraiment super bien faite. Enfin, je veux dire, en général, dans un jeu, une musique comme ça, ça se met pas trop. Mais là, c'est vrai que, voilà, pour une voiture, pour une radio, c'est plutôt cool. Et puis, en plus, ça s'adapte, j'ai l'impression, en fait, bah, au véhicule. Genre c'était une musique énergique, etc. Je sais pas si vous m'avez bien entendu, je suis désolé. Il me semble que normalement j'ai bien réglé le son. Bon, toi tu fermes ta gueule s'il te plaît. Je pense qu'on va voir des nouveaux véhicules dans la rue vu que j'ai mis les DLC. En tout cas, ma voiture est bien défoncée hein. Je sais pas. Hey, calme-toi, bonhomme. Bon, on va donc se rendre à cette mission. You guys smell something? I do. Just accept Seagull, old sure. You know what happens to rats, Way? Yeah, I heard. Yeah, Conroy gave me all the details when he was helping me out on that mini. You're so Santa! Who the fuck do you think you are, huh? You come in out of nowhere and suddenly our guys start to get arrested? He ratted out pop star Winston. I know he did. Oh, you're gonna do no more. This motherfucker right here is a snitch. Is that right, Ming? What the fuck? Fucking rat. I sent you to pop star, but now he's in jail. Yeah? And who stands to gain the most from that? You're gonna take over pop star's whole ketamine racket now. No more scraps for you. You'll supply the whole city with drugs. You and Dog Eyes. Pop star's gone, but you're still dealing, aren't you? So who's supplying you? Are you guys actually listening to this asshole? He's a rat. He's a fucking rat. Take him to Hong Kong, young lad. Stop. You're still working for that bastard, aren't you, man? Wait, I swear. Oh, he's a dirty fucker, man. What's that, my wall? My wall. Miam. Ouais, j'ai bien cru. Enfin, on allait pas y passer, mais quand même, ils ont des soupçons, quoi. C'est. Clean that up. Loyalty's important, way. Never forget that. You get in this business for yourself, you're bound to end up like little Lanta. Ok. C'est cool. J'ai failli y rester. Donc, on va sûrement avoir une nouvelle petite mission, j'espère. Parce que là, on fait un peu rien, c'est dommage. Ok, on est en train de rêver. Ah mon dieu, j'ai eu peur. Non. Donc, allez, sors de ton lit et va te changer un peu. J'en ai marre que t'aies toujours les mêmes habits. Hop. Alors, ouh, ça en rajoute des choses. Énorme. Comme si on se ramenait comme ça chez les types. Wow, stylé celle-ci. Non, 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 c'est pas beau. Celle-ci par contre, c'est du Lambert. Non mais ça fait vraiment trop certain. Ouais. Oh, celle-ci, énorme. Ouais, Kung Fu, combattant ivre, what? Armure de Sarif Industries. Hitman, what? Énorme. Il y a des grosses références. Ah ouais, carrément. Ouais, non, faut pas abuser quand même. Mafia russe. Tribu Maori. Ouais, carrément, le mec qui change de tatouage, c'est abusé.
Donc, expert scientifique. What? C'est quoi ces skins? C'est énorme. Tenue d'entraînement GSP noir. Bon, écoutez. Je crois qu'on va en mettre un. Ça va être celui-là ou celui-là. Mais celui-là, ça fait un peu trop flambeur. Mettons celui-là. Il est stylé. Oh, trop bien. On a l'air d'avoir un gilet pare-balles avec. Bon, tant pis. On va garder tout ça comme ça. Alors, viens voir derrière, il y a quoi? Un aigle. Ok, ouais, c'est pas trop mal. Donc, va chez Ping, PC, prends le paquet et file au Golden Koi. Ok, je pense que ça va être la seule mission qu'on va faire aujourd'hui. Présomption de meurtre pour le monde des courses de rue, il faut qu'on parle. Ah, ça, ça doit être parce qu'on vient de mettre notre blouse. Donc, on va aller chez les bleus, enfin, chez les policiers du coup. Coucou, du coup, on va prendre une nouvelle moto, pourquoi pas, hop, celle-ci. Ouais, amuse-toi bien. Ok, bon, la pub va être chiante, mais c'est pas grave. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Ce que j'aime bien aussi dans les motos, c'est que des fois, bah, on meurt pas. Enfin, genre, on se prend les voitures de plein fouet et il se passe rien. Coucou. C'est vraiment stylé, sérieusement la conduite, je kiffe dans ce jeu. Ouh. Ok, le mec elle est à peine à 10 km/h et fait quand même son petit truc. Et il laisse tomber son casque comme d'habitude. Hop, et on va voir la police. Well, they drive fast, occasionally they crash into something. Yeah, and occasionally they end up killing each other. Hmm. Well, that's manslaughter at best. But these last couple of files don't feel like manslaughter to me. It's got more of a deliberate feel to it. You want me to check it out? Yeah. Get into the circuit and see what you can find out. All right. Ok, en fait c'était pas... Enfin, c'était dans le jeu de base apparemment, c'était pas une DLC qui faisait ça. Ok, donc envoyer un SMS à Jackie à propos des courses. Je ne sais plus qui est Jackie, mais c'était pas grave. Jackie, qui est-ce que tu peux appeler pour faire des courses de rue? Ça doit être un policier ou peut-être tu sais... Oh, j'en sais rien. Ouais, c'est le pote d'un pote, un pro des courses, je lui dirais que tu l'as appelé. Appelé Ace. Ok, on peut appeler... Enfin... Wei Shen, you up for a race? Yeah, sure. Long as you don't mind losing. Haha, perdre. Connard. Je ne perds jamais. Bon, voyons voir cette voiture. Ouais, plutôt pas mal. Si je pouvais la mettre dans mon garage, ce serait cool. Rencontrer Ace. Bon, on va essayer de respecter le code de la route. Et de pas aller trop vite au début. On va quand même essayer de se familiariser avec le véhicule. Non. Coucou. Yeah, stylé. Donc, ah d'accord, la course commence direct, on parle pas, y a pas de... Ok. Bon. Quoi, ils vont plus vite que moi? Mais what? On se fout de ma gueule! Et merde. Génial. Premier plantage. Je sens que je vais perdre cette mission. Oh mon dieu, c'est affreux la conduite. Non! Je ne veux pas me prendre ce frigo.
Punaise, et je suis sûr que pourtant c'est une des courses les plus faciles du jeu, parce que je suppose qu'il y en aura d'autres. Ok, donc terminé à 24%, j'avais pas vu. Ok, faut tout ce que je les rattrape avant, parce que sinon... Je vais tâcher de les défoncer un peu. Je sais pas si ça fonctionne en course. Apparemment si. Ouais, on peut juste, comment dire, taper sur les gens. Donc, on est à 40% de la fin de la, course, tout simplement. Il va falloir que je fasse gaffe à pas me faire rattraper. Il va falloir que j'en double. Ça va pas être donné. Ouais. Non, 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 you shall not pass. Non. Aïe, non, ça c'était pas une bonne idée. Allez, vite, 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 je suis deuxième là. Punaise, j'étais premier, ça veut dire. Bon, ça va, j'ai encore 30%. Punaise, non. Presque à la fin de la course. Oh non, toi tu passeras pas, m'en fous. Ah là, il est mort. Et bim. Non, 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 n'explose pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh non, je suis passé cinquième. Oh my bad. Quoi, ils m'attendent là ou... Ok, ok, what? What happens? Est-ce qu'il me laisserait gagner? Vite, 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 vite. Non, 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 non. Je crois que je suis deuxième. Oh, c'est dégoûtant. Ouah, j'ai gagné. Ouais, j'ai eu de la veine là, ouais. J'avoue. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous rasés? Ça, c'est le petit gamin qui se la pète. Je sens qu'on va devoir battre ce fameux hotshot. Donc, que nous dit la police? La ferme mise à jour, mais il y a des courses infiltrées. Ça va, c'était pas trop difficile, fallait faire une course. Donc comme vous voyez, ouais, je suis niveau 9, il va falloir que je monte mon arbre de compétences. Alors, 1200$, mais c'est de la merde. Voiture de, de course saisie, ok. Bon, fermé. Amélioration. Hop. Donc amélioration, comme vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de trucs à débloquer, j'ai même tout en fait. Donc on va regarder, donc ça on avait déjà vu, c'était pour tirer ou je sais pas quoi quand on prend le... alors, compensateur de recul, le recul des armes à feu est légèrement réduit, ce qui permet d'enchaîner les tirs plus rapidement. Bon, on va prendre ça. Ensuite là on a l'air d'avoir un truc de parcours, le ralenti dure plus longtemps, blablabla. Bla, bla. Ah oui, c'était ralenti, pardon, c'était pas ce que je pensais. Donc c'est L-Shift quand on prend une arme. Ensuite, descente au ralenti. Ouais, il peut viser au ralenti en sautant armé d'un véhicule. Ok, c'est bizarre, mais on prend. Niveau d'alerte réduit quand on est poursuivi par la police, prend le contrôle d'un véhicule. Ouais, j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave, on prend quand même. Ensuite, les dégâts infligés aux véhicules percutés sont augmentés. Ça, c'est bien. Ouais, il peut trouver des armes à feu dans le coffre des voitures de police. Ça, c'est aussi bien. Je sens qu'on va commencer à jouer un petit peu au flingue. Ah, et ça, on peut pas prendre. Bon, tant pis. Donc, niveau triade. Dégâts des attaques directes augmentées, on prend. Verrouillez-vous sur un ennemi, appuyez sur espace pour passer derrière un ennemi et faire face à son dos. What? On prend quand même. Ça doit être une nouvelle technique. Oh putain, excusez-moi, je parle avec mon nez mais je suis vraiment enrhumé et ça revient tout le temps donc c'est un peu chiant. Donc attaque de mêlée armée en courant. Ouais, allez.
Là c'est quoi? Débloque un coup fatal rapide. Ah ça c'est bien, un coup rapide. Le truc de la machette, je suis pas... Les armes de mêlée sont plus de dégâts, ils sont plus sur les doigts, non. Pure... Je suis un vrai karatéka moi. Résistance aux armes de mêlée. Récupération après contre. Ça c'est cool. Et coup de coude en grimpant. D'accord. Shift et F. What? Je vais jamais y arriver. Et maintenant, ok, donc nouvelle arme de compétence que j'avais jamais testé. Donc tacle ou coup de genou assommant. Prenons le tacle. Space, donc avec espace F et c'est quoi ces combos bizarres? Une statue à rapporter. Ah d'accord, ok, ouais, ça c'est le truc avec les statues de Jade. Écoutez, je verrai ça. Bon, là apparemment j'ai tout gagné automatiquement hein, en gagnant de la répute. Ok, bon, on va partir là-dessus. Et maintenant, on va essayer la dernière mission. Nouvelle course débloquée, blablabla. Non, 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 on va pas encore, m'en fous. Waouh, j'ai gagné de l'argent en tapant là-dedans. Je savais que j'ai gagné de l'argent, mais je savais pas comment. Ok, donc... On va se rendre au point vert du coup pour continuer notre histoire, on va dire. Ouh, excuse-moi monsieur. Non, j'ai pas fait exprès. Non mais t'es mort, tu peux pas contacter tes alliés. Non monsieur, je ne suis pas d'accord. Non mais... Passe-moi devant, je sais pas, fais pas le con. Voilà. Wouhou. Ça c'est fait. Et il y a plus de policiers pour me suivre. Parfait. Je vais pouvoir aller au point vert. D'ailleurs, je vais mettre un GPS, ce sera plus simple. Alors, c'est ici. Là, c'est quoi? Rapporter à si tu as, d'accord, ok, c'est ça. Donc, sur écoute, je ne sais pas ce que c'est, nous allons voir cela ensemble. Ok, je prends la mauvaise rue déjà. Génial. J'ai toujours l'habitude de rouler à droite. Espèce de français. Oui, je m'insulte moi-même, et alors? Donc... Le truc conduite en accident est bizarrement fait parce qu'en gros il faut rouler sans s'arrêter, donc c'est un peu bizarre. Dès que je fais un petit coup de dérapage trop fort, oui. Voilà. Donc encore un petit, une petite cinématique, je suppose. Can I help you with something? Yeah. Are you Ping? No. There's no Ping. How about the owner then? Ping Pong. Just not Ping. All right, not Ping. Ok, c'était nul. I'm picking up hardware for Orange Lotus. You know it? Orange Lotus? Sure. This is some pretty sophisticated stuff. Sure you can handle it? I'll manage. My number's on the package. You need a hand getting slot X into socket Y? Give me a call. What? Ils sont bizarres les gens dans la rue. What? Il nous a volé quelque chose. Quel connard. Ok, le mec il sait même pas ce qu'il nous vole et... What? Ah, je vois rien. L'écran est pas... Ah, j'y vois rien là, avec la luminosité c'est affreux. Je fonçais dans un mur et je le voyais même pas. Bon, on a l'air de courir un peu plus vite que lui, puis en plus il est un peu débile, selon là où il passe. Allez, il est à 10 mètres, on le rattrape. Allez. Putain, qu'est-ce que c'est long les phases de course. Ugh!
Ok. On a notre sac. Bah, il est où? Did you get the bug? I got it. Our surveillance team reports that you should be able to get onto the roof from the construction site next door. Whatever you do, don't let them see you planting that bug. No shit. Allez au restaurant. Well. Coucou, 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 coucou. Et coucou. On peut pas faire comme dans GTA où on saute sur la moto. Dommage. Yeah, je crois que c'est la moto dragon bizarre là. En plus, j'ai bien fait de prendre une moto vu qu'il faut passer par des petites ruelles. Même si je ne sais pas rouler avec une moto. Yeah. Non! Eh merde, j'ai encore perdu de la répute policière. Bon. La musique est un peu forte. Ah! Eh merde. Non, ne meurs pas s'il te plaît, madame. Merci. Ouais, blessé, blessé tout de suite, les grands mots. Coucou. Voilà. Alors. Une petite mission un petit peu longue. Ouais, ça fait déjà plus de 20 minutes. Wow, joli. J'aime trop, franchement, ces trucs, c'est stylé. Il faut aller là-bas, ok. Et on fait du parcours, c'est trop bien. Trouver un moyen d'entrer dans le restaurant. Il me donne tout le parcours, mais ce n'est pas grave. Oh. How'd the bus thing go? Good. We can fight, huh? Oh non, ils ont une statue. What? Nothing. Bon, fou, il faut se la récupérer, ouais. Hey, don't try that shit. You got something to say? Talk. Alors, viens encore, hein? It's too easy. This guy comes out of nowhere just with dog eyes pressing us. Ok. Dépêche-toi, dépêche-toi. Prends, prends. Voilà, c'est bien. Hey, I'm getting some noodles from the kitchen. You want some? Sure. Why not? Allez, micro, vite, vite, vite. They're fucking noodles, Vincent. Whatever's back there. I can feel like pork. So get pork. You want pork too? C'est un peu lent, hein. On a encore 2 minutes, ça va. Ok, c'est bizarrement fait mais c'est encore stylé. Ok, donc les vis sont déjà dessus, tout à fait logique. Et on va quand même les visser, ok. Crocheter la serrure de la porte de derrière. Et pourquoi il a pas fait ça au début? Bon, alors, comment est-ce que ça a fonctionné? Ok. Excusez-moi pour ce bruit dégueulasse, je suppose. J'ai vraiment du mal à parler, c'est affreux. Ok, mission terminée. Ouais, nouvelle amélioration. Donc ça va être notre dernier truc, il me semble. Voilà, donc vos tirs font plus de dégâts. Hop. Et maintenant, j'ai besoin de votre aide. Oh mon dieu, c'est Tiffany. C'est Tiffany. Je crois que c'était la... Ouais, c'est ça, c'est l'escort girl, là, je sais pas quoi. Donc, du coup, bah, on va faire ça dans notre prochaine vidéo. Hein. Donc, on ira au petit blason vert. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc très prochainement pour notre prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.